Il y a deux révolutions culturelles qui vont toucher le client. C'est d'abord que les réglementations, c'est deux révolutions qui sont différentes, mais qui se passent en même temps. Hein, c'est entre maintenant et début 2017 qu'il faut d'un côté que le client s'adapte à un nouvel type de relation commerciale avec le banquier, parce que les nouvelles réglementations destinées à protéger l'épargnant à mieux encadrer la manière dont les banquiers conseillent et vendent des produits aux clients, ça va obliger le client à changer sa relation avec son banquier aussi. Et donc là, il y a cet effort à faire. Beaucoup le sous-estiment encore, mais cet effort devra être fait et assez rapidement. Et en même temps, il faut effectivement amener le client à accepter l'idée que la rémunération de l'investissement sans risque dans cet univers de taux bas soit proche de zéro. Et que quand on a besoin de son argent assez rapidement, il faut admettre qu'il soit à la limite pas rémunéré. Donc il y a bien rappeler que l'investissement risqué, dans investissement risqué, il y a du risque. Il y a le mot risque. Et risque, c'est le risque de perdre son capital. Et qu'aujourd'hui, c'est déjà bien de ne pas avoir à payer finalement pour ces dépôts à vue, puisque nous, entre banques et avec les banques centrales, nous devons payer pour laisser des dépôts à vue sans risque.